Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 9 décembre 2022 et nous vous proposons une lecture critique d'un article de l'Obs, l'hebdomadaire, consacré à Julian Assange. L'édition est sortie hier, le 8 décembre. Il y a 4 pages consacrées à Julian Assange. Voilà, je compte uniquement les pages de texte ou de photos, pas les publicités. L'article est signé Doan Bui et son titre est Prisonnier Assange. Donc je commence la lecture et chemin faisant, je fais des observations, des remarques et parfois des critiques. Le fondateur controversé de Wikileaks est détenu dans une prison de haute sécurité en Angleterre. Donc voilà, dès le chapeau, on introduit l'idée que Assange est controversé. C'est un terme qui revient fréquemment dans le traitement médiatique de l'affaire Assange et pour qualifier Assange. Qui en a décidé ainsi? Qui a décidé qu'il était controversé? Bah, les médias dominants, manifestement. C'est pas une chose comme ça, c'est pas un fait, c'est un jugement. Les États-Unis, toujours furieux, n'ont pas renoncé à le juger et rendent impossible la vie du lanceur d'alerte. Je trouve que l'expression euphémise beaucoup la gravité de la situation d'Assange. Bref. Je commence la lecture de l'article à propos en parlant. Venez fêter l'anniversaire de l'homme le plus dangereux du monde. C'est ainsi que Julian Assange invitait le gratin à célébrer ses 40 ans le 3 juillet 2011, depuis la divulgation l'année précédente de documents confidentiels défense sur la guerre en Irak et en Afghanistan, et notamment la célèbre vidéo Collateral Murder sur un raid aérien de l'armée américaine ayant provoqué la mort de civils. Le fondateur de l'organisation Wikileaks est devenu l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Voilà, la phrase se termine ainsi. Mais on remarque que la façon dont la vidéo Collateral Murder est présentée relativise là aussi beaucoup la gravité d'un crime de guerre en fait, hein. Ce qu'on voit dans la vidéo Collateral Murder, c'est un crime de guerre avec 18 morts, dont 2 journalistes de l'agence Reuters, ce qui n'est pas précisé ici, et donc des civils irakiens. Donc présenter ça comme un raid aérien ayant provoqué la mort de civils, il me semble que ce n'est pas une juste description de ce qu'on voit dans cette vidéo et des faits représentés. Mais en cet été 2011, en résidence surveillée dans le manoir d'Ellingham Hall, qu'un ami lui a prêté dans le comté de Norfolk, Assange est encore libre de ses mouvements. Alors, libre de ses mouvements, et donc il est resté pendant 551 jours en résidence surveillée là-bas. Il avait un bracelet électronique, il devait pointer 2 fois par jour au commissariat, donc libre de ses mouvements, bon, c'est grandement discutable. Imaginait-il à quel point sa boutade décrirait les 11 années qui allaient suivre? Moins d'un an après cette fête, il doit se réfugier dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour éviter d'être extradé. Il y vivra 7 ans, épié par des caméras de surveillance, avant d'en être expulsé en 2019. Depuis lors, le fondateur de Wikileaks est incarcéré dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans le nord de Londres. C'est là, en détention, qu'il a épousé son ancienne avocate et compagne Stella Morris en mars 2022. Là aussi, qu'il a vu l'étau se resserrer vers une extradition aux États-Unis, où il risque jusqu'à 175 ans de prison. Il n'a pas posé de bombe, n'a attenté à la vie de personne, et pourtant il est traité de pire façon qu'un terroriste, dénonce son avocat Antoine Veil, qui s'inquiète pour l'état de santé de son client. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 17 juin 2022, le jour où la secrétaire d'État britannique Priti Patel signait son acte d'extradition vers les États-Unis. Je ne l'avais jamais vu aussi affaibli. Le 28 novembre, les 5 journaux, The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País, Le Monde, qui, il y a 12 ans, avaient publié de concert avec Wikileaks les fameuses révélations, ont lancé un appel. On a parlé de cet appel dans la précédente vidéo, où j'ai commenté le passage de Jérôme Pinoglio, le directeur du Monde, sur France Culture. Dans ce texte, il demande au gouvernement américain d'abandonner les poursuites contre Julian Assange, tout en rappelant que certains des choix ultérieurs du fondateur de Wikileaks, partisan de la transparence absolue, avaient provoqué des débats d'éthique journalistique, notamment en 2011, au moment de la publication de télégrammes diplomatiques non expurgés, pouvant mettre en danger des informateurs des États-Unis. Donc là, je suis obligé de m'arrêter. C'est toujours long de rétablir les faits. Mais en effet, donc, dans la lettre commune des 5 grands quotidiens internationaux,
Ils prenaient leur distance avec Assange, comme c'est souvent le cas dès qu'il est question d'Assange. On tient à le mettre à distance comme si c'était quelqu'un qui avait une déontologie, une éthique discutable. La réalité est tout autre, parce que pourquoi les câbles diplomatiques se sont retrouvés en ligne dans leur version non expurgée, c'est, je l'ai déjà dit, hein, c'est par la faute de deux journalistes du Guardian, Luke Harding et David Lee, qui, dans un livre publié à la va-vite, ont reproduit le mot de passe qui permettait d'accéder aux câbles diplomatiques dans leur version non expurgée. Pourquoi ont-ils fait ça? Peut-être estimait-il que le mot de passe était obsolète et que voilà, il ne permettait plus d'accéder aux documents, sauf que ce n'était pas le cas. Et des personnes ont rapidement fait le lien et ont réussi à entrer en possession des documents. Ces documents ont été notamment publiés sur le site Cryptome, fondé par John Young, donc ils étaient là à disposition. Pour la petite histoire, et pas si petite que ça, John Young vient de faire savoir qu'il demandait à être inculpé comme Julian Assange, parce qu'il avait mis en ligne sur son site les câbles diplomatiques dans leur version non expurgée. Donc il a demandé, bah, vous poursuivez Assange, poursuivez-moi également. Le journal allemand Der Freitag aussi avait annoncé qu'il était entré en possession des câbles diplomatiques. Donc, que fait Assange à ce moment-là? Il doit agir dans l'urgence, parce que donc, voilà, les câbles commencent à circuler, le danger est imminent, parce qu'en effet, des personnes pourraient être mises en danger, qui sont mentionnées dans ces câbles diplomatiques. Donc, contacte le département d'État américain pour les avertir que les documents voilà, vont circuler, et il demande à ce que des initiatives soient prises pour mettre à l'abri éventuellement les agents, les sources mentionnées dans les câbles. Cette discussion téléphonique est filmée dans le documentaire Risk, réalisé par le rapport ITRAS, donc c'est une preuve matérielle des actions d'Assange. On le voit essayer d'empêcher qu'il y ait des conséquences négatives de la non-publication de ces câbles diplomatiques, et Wikileaks prend la décision par ailleurs de mettre en ligne également les câbles diplomatiques dans leur version expurgée pour que les personnes puissent se mettre à l'abri plus rapidement, parce que Cryptome, c'est un site assez confidentiel, donc les câbles peuvent circuler à l'insu en fait des personnes concernées, et donc ils prennent la décision de donner un plus grand écho et de permettre aux gens de réagir rapidement en diffusant les câbles diplomatiques. Mais ce n'est pas du fait d'Assange ou de Wikileaks si ces câbles diplomatiques ont été révélés. C'est la bourde de deux journalistes du Guardian signataire de la lettre commune. Et donc, cette version des faits, qui est la réalité, n'est jamais répercutée dans le traitement médiatique de l'affaire Assange. Et pourtant, c'est la réalité, et ceux qui disent le contraire doivent l'établir. Là, il y a des preuves matérielles, il y a des témoignages, il y a cette vidéo dont je vous ai parlé qui établissent les faits. Donc, ceux qui sont en désaccord avec cette version-là doivent apporter des éléments de même nature et plus puissants encore, ce qui n'est pas le cas. Donc là, Doan Gui répercute une fois de plus cette version de la prétendue négligence d'Assange et de Wikileaks, peu scrupuleux, mettant des personnes en danger, ce qui n'est pas établi. Les États-Unis, à deux reprises, ont eu l'occasion d'essayer de faire valoir cet argument, à la fois pendant le procès de Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte, et puis lors des procédures des audiences d'extradition, sauf qu'ils n'ont pas réussi à fournir un seul exemple d'une personne dont la vie aurait été mise en danger à cause des révélations de Wikileaks. Alors, Assange, journaliste ou lanceur d'alerte tête brûlée, pas assez vigilant quant au respect de la sécurité de ses sources? C'est une question, mais Assange n'est pas un lanceur d'alerte. C'est un journaliste qui publie des documents obtenus grâce à des lanceurs d'alerte. C'est un journaliste, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Pas assez vigilant quant au respect de la sécurité de ses sources? Là encore, on accuse Assange, on laisse entendre qu'il aurait pu mettre en danger les sources de Wikileaks. Mais là, il faut apporter des éléments, là encore. On ne peut pas laisser en suspens comme ça une chose aussi grave.
l'hebdomadaire Franc-Tireur a publié récemment un hors-série sur les lanceurs d'alerte. Et il y a un article sur Assange, et Benjamin Cyr, l'auteur de l'article, affirme que Assange a mis des sources en danger, et que c'est à cause de lui que Chelsea Manning a été identifiée et arrêtée. Mais c'est faux, c'est littéralement faux, c'est une fausse information. C'est une calomnie aussi, puisque Chelsea Manning, en fait, a commis l'erreur l'imprudence de se confier à quelqu'un en ligne, qui s'est avéré être un informateur au service des autorités américaines, et donc c'est comme ça qu'elle a été identifiée. Mais Assange n'a rien à voir là-dedans. On confond tout. Avec l'affaire Assange, c'est la liberté de la presse qu'on menace, car il a agi comme éditeur de presse, martèle Antoine Bey, son avocat français. L'équipe juridique continue de multiplier les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant la justice britannique, pour contester la décision d'extradition en appel. Comme un baroud d'honneur, tant la situation d'Assange semble aujourd'hui désespérée et son extradition inéluctable. Alors certes, les perspectives ne sont pas particulièrement réjouissantes, mais là, il me semble que c'est amener une conclusion un peu rapide à des procédures en cours, et puis c'est un peu, franchement, décourageant, et puis en plus, ça met de côté toute la responsabilité médiatique, en fait, dans le fait que l'affaire Assange n'est pas assez connue, et que ce traitement très lacunaire ne permet pas la constitution d'un grand mouvement de solidarité qui pourrait obtenir quelque chose, peser sur Washington et obtenir la libération d'Assange. Amnesty International, Reporters sans frontières, la FIJ, Fédération internationale des journalistes, dénoncent aussi une décision qui met en danger la liberté de la presse. Mais ils ont l'air de protester dans le vide. Ce qui leur fera plaisir. Il y a quantité d'organisations, de syndicats qui maintenant sont fortement mobilisés pour Assange. Et donc, ils protestent dans le vide. Mais pourquoi protestent-ils dans le vide? Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas encore suffisamment de relais médiatiques pour relayer cette mobilisation et l'amplifier et en faire une vaste campagne de nature à peser sur l'issue de l'affaire Assange. Car combien sont-ils, les élus français et les personnalités qui soutiennent encore Julian Assange? Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Cédric Villani, point de suspension. Là, je trouve que c'est une présentation un peu dépréciatrice de la mobilisation des élus français. Il y avait quand même 50 députés qui, lors de la précédente législature, avait présenté une proposition de résolution qui visait à accorder l'asile politique en France à Assange. 50 députés issus de tous les groupes parlementaires à l'Assemblée. Bon, ce n'est pas rien. Il y a eu un vote le 4 février 2022. Il a été négatif parce que les députés de la majorité se sont mobilisés pour voter contre, arguant que les États-Unis sont un État de droit, le Royaume-Uni est un État de droit, et qu'il ne fallait pas s'ingérer dans la procédure d'extradition au Royaume-Uni. Mais bon, bref, ça a été donc rejeté, mais il n'empêche qu'il y avait quand même une cinquantaine de députés qui s'étaient mobilisés. Des députés de la législature actuelle vont se mobiliser, nous, avec le comité de soutien Assange, on est en contact avec certains d'entre eux. Et on va essayer de relancer quelque chose de ce côté-là. Donc, voilà, mentionner Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Cédric Villani, qui n'est plus député, et laisser entendre que ce n'est pas grand-chose et que Assange est très très isolé en France, ce n'est pas le cas et on va essayer de le montrer. Notre but est aujourd'hui de mobiliser également l'Élysée et les institutions européennes. Assange ne peut avoir un procès équitable aux États-Unis, il doit être gracié, explique Maître Antoine Veil. On peine à imaginer pourtant qu'Emmanuel Macron fasse quoi que ce soit dans ce dossier piégé. En 2015 déjà, François Hollande avait refusé d'accorder l'asile à Assange. Oui, c'est exact. Assange avait publié dans Le Monde une lettre ouverte, laissant entendre qu'il serait assez opportun qu'il reçoive l'asile politique en France. Il a de nombreux liens avec la France. Une partie de sa famille est française. Il résidait en France
lorsqu'il a fini de coder l'outil informatique de Wikileaks. Voilà, donc il a de nouveaux liens avec la France, donc ça justifie une demande de d'asile politique, mais l'Élysée, en moins d'une heure, avait fait savoir que bah, ce n'était pas envisageable. 7 ans plus tard, alors que l'Europe se débat dans le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, le sort de ce prisonnier encombrant est le cadet des soucis de ses dirigeants. Alors, l'Europe se débat dans le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. La formulation, alors on ne sait pas s'il est question d'un conflit en Europe, mais c'est pas ce que ça semble dire. Et donc, pour ne prendre qu'un seul exemple, le Yémen, c'est 400 000 morts déjà. Et ça continue. Donc, il me semble incorrect de dire que la guerre en Ukraine est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Nils Melzer, ancien rapporteur des Nations Unies sur la torture, devenu un défenseur acharné d'Assange, a qualifié son calvaire de « torture psychologique », entre guillemets. Selon lui, les autorités britanniques veulent briser cet homme, alors qu'en d'autres temps, elles avaient été bien plus clémentes envers un détenu dont l'extradition était réclamée pour crime contre l'humanité, Pinochet. L'ancien dictateur du Chili, arrêté à Londres en 1998, avait été libéré en 2000 pour raison de santé. Alors là, on aurait pu espérer que Duanbuy mentionne l'existence du livre de Nils Melzer. C'était vraiment l'occasion de le faire, de faire savoir qu'il y avait ce livre extrêmement approfondi sur la persécution de Julian Assange. Elle ne le fait pas. Il semble qu'elle ait lu l'article paru dans le Monde diplomatique d'août dernier, qui est en fait les bonnes feuilles du livre. Mais là non plus, elle ne mentionne pas l'article du Monde diplomatique. Donc, elle ne renvoie pas en fait les lecteurs à des sources qui plaident clairement en faveur de la libération de Julian Assange. Et c'est vraiment regrettable que le livre qui est sorti donc en français en septembre 2022 ne soit pas davantage percuté. Pourquoi de l'Obs d'ailleurs ne publie pas une recension de ce livre. Si Duanbuy ne l'a pas lu, on lui recommande. Reste l'opinion publique. Superstar il y a 10 ans, objet de plusieurs films, le long métrage Le Cinquième Pouvoir, le documentaire Risk, Assange semble avoir été rayé de notre mémoire collective. Alors là, il y a plusieurs problèmes. Elle mentionne deux films qui se trouvent être des films soit hostiles, soit en tout cas défavorables à Assange. Le Cinquième Pouvoir, c'est un film de fiction de Bill Condon qui, en fait, donne une image assez peu reluisante de Julian Assange. Il est basé sur un livre d'un ancien collaborateur de Wikileaks, Daniel Bomscheinberg, qui a réglé des comptes avec Assange. Et donc, le film est une adaptation de ce bouquin. Donc, il dépeint Assange de façon peu amène, on va dire. Et elle mentionne un autre film qui, là, est un documentaire, le Risk de Laura Poitras, qui, je vais pas m'étendre sur l'histoire de ce film, il y a eu plusieurs montages avec des orientations qui variaient selon les montages, mais en tout cas, c'est pas un film très favorable à Assange. En tout cas, il émet des critiques assez dures. Donc, pourquoi mentionner ces deux films alors qu'il en existe d'autres? Hacking Justice, par exemple, qui est un film de Clara Lopez Rubio et Juan Pancorbo, qui a suivi l'affaire pendant de nombreuses années et qui présente une vision quand même bien plus favorable de Julian Assange. Et le film, donc là, c'est l'édition des Mutins de Pangée. Le film est sorti au cinéma en France. Il y a eu peut-être 120 projections débat. Donc, c'est quand même regrettable de ne pas le mentionner, alors que Risk n'a pas été diffusé au cinéma en France. Donc, pourquoi choisir ces films-là et pas d'autres? On pourrait parler de Ithaca aussi, qui est plus récent, qui suit en fait John Shipton, le père d'Assange, et Stella Assange dans leur combat pour faire libérer Julian. Donc, elle aurait aussi pu mentionner ces films. Et rayé de notre mémoire collective, là encore, on peut dire, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui produit cet état de fait? Alors, il n'est pas rayé, mais c'est vrai que un sondage récent a établi que une personne sur deux en France qui ne connaît pas du tout Assange, qui ne sait pas, voilà, qui ne voit pas qui c'est,
Donc, mais c'était la faute à qui en fait? Peut-être que les médias dominants ont une part de responsabilité. Il me semble que c'est le cas. Un autre héros, entre guillemets, de l'information l'a remplacé en 2013, donc a remplacé Assange. Le lanceur d'alerte, Edward Snowden, à l'origine du scandale des écoutes de l'agence de sécurité américaine NSA. Assange l'a d'ailleurs soutenu dans sa fuite, un argument qui a été utilisé par la justice pour lui refuser une libération conditionnelle. Fidel Narvaez, un ami d'Assange, ancien consul d'Équateur à Londres, s'en souvient très bien. Citation. Nous avions aidé Snowden à s'enfuir de Hong Kong jusqu'à Moscou. Je suppose que cela a encore renforcé la détermination des États-Unis à faire un exemple d'Assange. Alors là, on va s'arrêter un peu sur cette citation parce qu'il y a un gros problème. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a paru extrêmement surprenant. Nous avions aidé Snowden à s'enfuir de Hong Kong jusqu'à Moscou. La réalité est tout autre. En fait, Moscou n'était qu'une étape. L'objectif, c'était d'aller en Amérique du Sud, en Équateur. Il y avait une deuxième escale à La Havane, à Cuba. Et donc, dire que Rafael Narvaez, l'Équateur, ont aidé Snowden à s'enfuir de Hong Kong jusqu'à Moscou, donc l'objectif, la destination finale, c'était Moscou, ben c'est faux. Si Snowden se retrouve aujourd'hui en Russie, c'est parce que les autorités américaines ont invalidé son passeport au moment où il se trouvait dans l'aéroport de Moscou, mais en transit. Il comptait pas y rester. Donc, présenter les choses ainsi, c'est une façon de renvoyer à la fois Snowden, Assange et WikiLeaks dans le camp de la Russie et de laisser entendre qu'il y a là une entente et que Snowden, depuis le début, avait l'intention de se réfugier en Russie, ce qui est faux. Nous avons contacté Doan Bui pour lui dire leur faire part de notre surprise. Vis-à-vis de cette citation. Elle a rencontré Fidel Narvaez en février 2020 à Belle Marche lors des audiences d'extradition. Et donc, elle aurait recueilli ses propos à ce moment-là, mais elle reconnaît, elle nous a dit qu'elle reconnaissait que c'était ambigu et elle a fait modifier la version numérique de l'article. Je n'ai pas précisé au début, mais en fait, il s'agit d'un article paru initialement dans la version numérique sur le site de l'Obs le 15 octobre 2022. Et là, il s'agit d'une version en fait actualisée et retravaillée de cet article. Donc maintenant, si vous allez sur la version numérique de l'article, vous verrez que en fait jusqu'à Moscou a été enlevé. Dans la citation, on lit: nous avions aidé Snowden à s'enfuir de Hong Kong. Donc voilà, sauf que dans la version papier, qui est quand même diffusée à environ 200 000 exemplaires, bah les choses vont rester ainsi. Et il me semble que présenter ainsi, c'est une fausse information. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner le fait que Doan Bui vient de sortir avec Leslie Play, la dessinatrice Leslie Play, une bande dessinée sur les fake news, qui s'appelle Fake News, des histoires qui ne tournent pas rond. L'info qui ne tourne pas rond, pardon, aux éditions Delcourt. Donc, je ne doute pas que Doan Bui a à cœur la lutte contre les fausses informations. Il faut commencer par se l'appliquer à soi-même. Et pour ma part, j'espère que dans la prochaine édition de l'Obs, il y aura un erratum et ce sera corrigé parce que Fidel Narvaez est légitimement furieux. On l'a contacté également pour lui dire que ses propos étaient présentés ainsi, et il est en total désaccord avec cette présentation, puisque non seulement la destination finale n'était pas Moscou, mais l'Équateur via Moscou et La Havane, mais il a essayé de faire en sorte que Snowden, justement, quitte Moscou et parvienne à sa destination finale. Il a œuvré longtemps pour que Snowden puisse quitter Moscou. Donc c'est vraiment une inversion de la réalité. Il ne lit pas le français, mais j'espère que je lui ai traduit la citation et j'espère que lui aussi pourra agir et faire savoir qu'il souhaite un correctif. Ça peut paraître un détail, mais c'est quand même un aspect extrêmement important, puisque ça fait partie de la campagne de dénigrement à la fois contre Snowden et Assange. C'est, vous voyez, c'est la Russie,
C'est Poutine. Il y a des plans entre l'Équateur, Wikileaks et Moscou. Et tout ça n'est pas établi, sauf que c'est régulièrement répété et ça finit par s'imprimer. Et donc, ça nuit évidemment à la solidarité à l'égard d'Assange et de Snowden. Je vous ai parlé de Franc-Tireur tout à l'heure. Dans le hors-série sur les lanceurs d'alerte, il y avait également un article sur Snowden, et là, qui était presque pire que celui sur Assange, puisque l'auteur, Benjamin Sire, de nouveau, disait qu'en gros, que depuis le début, Snowden, en fait, souhaitait se planquer à Moscou, et l'article laisse même entendre que Snowden est un pion russe au service de Poutine. C'est présenté comme ça, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas un pion, un espion russe au service de Poutine? Donc voilà, quand on est peu scrupuleux avec les faits, voilà ce qui finit par circuler. Je poursuis. C'est Fidel Narvaez qui, au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, délivra un sauf-conduit au fugitif Snowden, tandis que Sarah Harrison, l'une des plus proches collaboratrices d'Assange, munie de documents, s'envola pour Hong Kong et l'accompagna jusqu'à Moscou. Et rebelote, jusqu'à Moscou. De nouveau, on laisse entendre que la destination finale était Moscou et pas l'Amérique du Sud. Donc ça me permet aussi de corriger une erreur que j'ai commise. J'ai cru pendant un certain temps que en fait, la destination finale, c'était Cuba. Mais non, c'était une autre escale, en fait. C'était l'Équateur, puisque on avait des preuves que Snowden avait un billet réservé sur un vol pour Cuba. Mais c'était en fait une escale de plus. Fidel Narvaez nous a expliqué qu'il n'y a pas de vol direct en fait pour aller en Amérique du Sud. Il faut passer par Cuba, par la Havane. Donc là, j'ai vérifié tout à l'heure, jusqu'à Moscou, là, dans cette partie, est toujours dans la version numérique. Donc il serait peut-être souhaitable aussi de corriger cela. Snowden avait lui aussi demandé l'asile en France, en vain. En plein conflit avec l'Ukraine, alors que le rideau de fer s'est à nouveau abattu comme à l'époque de la guerre froide, l'obtention de sa nationalité russe sonne comme une provocation à l'égard des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on attend de Snowden en fait? S'il avait le choix, il pourrait rentrer aux États-Unis, hein, mais sauf que s'il le faisait, il serait immédiatement arrêté et enfermé et poursuivi. Donc dire que le fait qu'il a obtenu la nationalité russe, c'est une provocation à l'égard des États-Unis, non. Il est là-bas pour une période indéterminée, donc oui, c'est plus pratique d'avoir la nationalité russe pour quantité de choses de la vie courante. Donc, il a pas obtenu la nationalité russe pour provoquer les États-Unis. Il me semble que c'est une présentation en fait défavorable de Snowden et de ses motivations. Il y a une autre raison pour laquelle le grand public ne sait plus trop quoi penser du dossier Assange. Son image a été durablement entachée par cette plainte pour viol, pour sexe par surprise, entre guillemets, en Suède en 2010, et par le bras de fer qui en a découlé avec les autorités suédoises. Il faut s'arrêter encore sur cet élément. Là, ce serait vraiment l'occasion de parler de l'enquête de Nils Melzer, l'ancien rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, puisque Nils Melzer est suisse, mais il a aussi la nationalité suédoise et il a lu l'intégralité des documents sur l'affaire suédoise, ce qu'on appelle l'affaire suédoise, notamment tous les rapports de police, etc. Et donc il établit presque minute par minute en fait ce qui s'est produit avec cette affaire. Donc il me semble qu'il serait très souhaitable que les journalistes prennent connaissance de ce livre pour ne pas risquer de dire des bêtises en fait. Parce que là, c'est une enquête extrêmement approfondie, documentée, précise. Donc avant de laisser encore planer le doute sur les accusations de viol en Suède, il faut prendre connaissance de ça parce qu'il me semble que c'est instructif. Et le fait que le livre ne soit si peu médiatisé n'aide pas en fait à sortir de ce des calomnies et même parfois de la diffamation, puisqu'il y a
des personnes qui se permettent de traiter Assange explicitement de violeur, comme dans Charlie Hebdo, Robert McLean Wilson le fait de façon répétée. On lui a suggéré de lire le livre de Mitch Meiser en anglais, puisque c'est un Irlandais. Bon, il maîtrise le français aussi, mais il pourrait le lire en anglais. Apparemment, il refuse de le faire. Peut-être qu'il ne souhaite pas prendre le risque de découvrir qu'il a tort à 100%. Persuadé qu'il serait livré illico aux États-Unis s'il remettait les pieds en Suède, Assange ne s'est jamais rendu à ses convocations devant la justice, se condamnant de facto à une vie de fugitif alors qu'il était l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Bon, et bien il faut encore s'arrêter. Assange a toujours collaboré avec la Suède. Il a dit qu'il pouvait être entendu, soit une fois qu'il était donc réfugié dans l'ambassade d'Équateur, soit en visio, ou alors la procureure suédoise pouvait envoyer quelqu'un dans l'ambassade pour qu'il puisse faire sa déposition, ou alors il avait dit « je veux bien revenir en Suède pour être entendu, mais vous me garantissez que je ne serai pas extradé vers les États-Unis dans la foulée ». La Suède a refusé de lui donner cette garantie. Donc évidemment, Assange voyait ce qui se profilait, il savait qu'il y avait des tractations entre la Suède et les États-Unis. Il y avait eu des précédents aussi, des prisonniers avaient été livrés aux États-Unis par la Suède. Donc il n'allait pas prendre le risque en fait de se rendre là-bas sans avoir la garantie qu'il ne serait pas extradé aux États-Unis. Donc ça mériterait quand même d'être dit, parce que là en effet c'est encore cet élément de la campagne de dénigrement. Assange a échappé à la justice suédoise, il s'est planqué dans l'ambassade d'Équateur pour ne pas avoir à se soumettre à la justice suédoise. Un mandat d'arrêt européen qui a été émis alors qu'il s'agissait d'une enquête préliminaire. C'est peu commun en fait. Hein. Ça n'a jamais dépassé le stade de l'enquête préliminaire. Il faut le rappeler aussi. Le parquet suédois a clos définitivement l'enquête en novembre 2019, faute de preuves. Et avant la période de prescription, ça mérite d'être précisé. Mais à cette époque, le positionnement d'Assange et de Wikileaks est déjà brouillé. Wikileaks continue de divulguer des leaks, entre guillemets, mais en faisant cavalier seul, et tant pis si l'intérêt journalistique de ces fuites, entre guillemets, peut parfois sembler discutable. Ainsi, en 2016, Wikileaks s'invite dans la campagne électorale opposant Hillary Clinton à Donald Trump, en divulguant tout un paquet de courriels électroniques d'élus démocrates. Assange et Wikileaks deviennent alors des héros, entre guillemets, aux yeux de républicains trumpistes qui le vouaient jadis aux gémonies, comme Sarah Palin, l'ancienne gouverneure de l'Alaska. Trump clame « I love Wikileaks ». Là, il faut s'arrêter, puisque ces courriels à la fois du DNC, donc le DNC c'est l'organisme qui chapeaute le parti démocrate américain, mais aussi des courriels de John Podesta, le directeur de campagne de Hillary Clinton, ont donc été mis en ligne sur le site de Wikileaks. Et on vous verra plus tard que donc il y a des accusations sur l'origine des documents qui auraient été donc piratés par des hackers russes. Sauf que là, on ne nous dit rien du contenu de ces révélations. Sauf qu'on on nous dit que c'est l'intérêt journalistique est discutable. C'est intéressant quand même de revenir à ces documents. Il montrait quand même que Hillary Clinton avait été favorisée en fait au sein du parti au détriment de Bernie Sanders lors du processus des primaires, que Bernie Sanders avait été lésé en fait par le parti démocrate, par le DNC, pour avantager Hillary Clinton. Par exemple, en donnant à Hillary Clinton les questions à l'avance lors des débats des primaires. C'est pas rien, bon, c'est juste un exemple. Donc, bon, ça méritait d'être su quand même que le Parti démocrate favorisait Hillary Clinton au détriment de Bernie Sanders. Mais c'était pas tout. On apprenait aussi dans ces courriels que la fondation Clinton recevait de l'argent en grande quantité de l'Arabie Saoudite, qu'Hillary Clinton donnait des conférences à Goldman Sachs et qui était
Grassement rémunéré, j'ai le chiffre ici, 657 000 dollars pour différentes conférences. Il y avait un autre élément qui est quand même intéressant, c'est que les documents, ces échanges montraient que Hillary Clinton et son entourage essayaient de favoriser Donald Trump dans les primaires républicaines. Ils essayaient de faire en sorte que Donald Trump soit le candidat républicain, estimant que Hillary Clinton avait plus de chances de l'emporter si c'était Donald Trump le candidat républicain. Donc on accuse Assange et WikiLeaks d'avoir aidé Trump à être élu, mais en fait ce sont les démocrates, enfin surtout le clan Clinton, qui a aidé Trump en fait à être le candidat des républicains. Et ça n'a pas réussi à Hillary Clinton. Voilà des éléments dont on trouve peu la trace en fait dans les médias dominants. Je continue. Par un étrange revirement, Assange devient une espèce d'apôtre dans des milieux très controversés comme la secte QAnon, qui voit en Trump un émissaire chargé de débouter l'État profond entre guillemets et qui, sur la base des fameuses leaks entre guillemets, des mails de démocrates, ont élaboré les théories du complot les plus folles. Aujourd'hui encore, le patron de la pizzeria Comet Ping Pong à Washington, dont les mails sont retrouvés dans les fuites, est harcelé par des complotistes persuadés que son établissement abritait des rituels sataniques et pédophiles. Mais qu'est-ce que Assange a à voir là-dedans, en fait? Est-ce que Assange a encouragé les partisans de QAnon à spéculer de façon échevelée dans ce sens-là? Si c'est des conspirationnistes brodent à partir de révélations de WikiLeaks et mettent ça à leur sauce en mélangeant à leur lubie, à leurs obsessions. Mais en quoi c'est de la responsabilité d'Assange et de WikiLeaks? Il n'a pas confirmé ses délires ou il n'a pas fait en sorte que les gens s'orientent dans cette direction. Donc là, il me semble qu'on mêle Assange à QAnon de façon vraiment illégitime, et c'est encore une fois pour le renvoyer dans le camp des conspirationnistes, des personnes sulfureuses. Il me semble que tout ce long développement est pas à sa place, n'est pas approprié. Les fuites ont-elles contribué à faire élire Trump? Surtout, WikiLeaks a-t-il été manipulé par la Russie pendant la campagne électorale de Trump? Et les mails des démocrates ont-ils été obtenus via un hacking russe? Les proches d'Assange ont toujours nié farouchement toute collusion avec la Russie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, certains affirment, Le Monde par exemple, c'était dans la lettre commune, donc les quotidiens, les grands quotidiens, les cinq grands quotidiens internationaux répercutaient cette version des faits, sauf que ce n'est pas établi. Les services de renseignement états-uniens eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas la preuve que ce sont des hackers russes qui ont piraté les courriels et les ont donc transmis à WikiLeaks. Il n'est même pas établi en fait qu'il s'agit d'un piratage. Il est possible que ce soit une fuite en fait. Que quelqu'un à l'intérieur du DNC, mécontent, je ne sais pas, par exemple du fait que Bernie Sanders avait été lésé, etc., et souhaitait régler des comptes avec le clan Clinton. C'est une hypothèse. Mais l'hypothèse du hacking russe, oui, c'est aussi une hypothèse. Ce n'est pas établi. Donc là, Doane Bui, c'est vrai, ne l'affirme pas. C'est présenté sous la forme de questions. Il y a beaucoup de questions dans cet article. Mais il serait bien de temps en temps rappeler que les services de renseignement eux-mêmes n'affirment pas qu'il s'agit d'un hacking russe. Et il y a même des nuances en fait dans les évaluations entre les services de renseignement. Certains trouvent que c'est vraiment peu sûr, d'autres pensent que c'est davantage probable, mais donc il y a un nuancier. Sauf que c'est la version qui est retenue par les médias dominants. Et Jérôme Fenoglio, dans son interview sur France Culture, disait que Le Monde pense
que c'est le cas, que des hackers russes ont piraté les courriels et les ont transmis à Wikileaks, pense, mais ce n'est pas établi. Seule certitude, si Trump a affirmé son « amour » entre guillemets pour Wikileaks, il ne l'a pas vraiment démontré dans les actes, bien au contraire. C'est son administration qui a lancé la chasse à l'homme à l'encontre de Julian Assange. Barack Obama, lui, avait choisi l'attentisme. Ses conseillers juridiques craignaient qu'un mandat d'arrêt n'ait des conséquences indirectes sur la liberté de la presse. Wikileaks a collaboré avec de nombreux médias lors de la diffusion des « warlogs » entre guillemets, sur la guerre en Irak et en Afghanistan. Mais Trump, lui, se fiche bien de la liberté de la presse. America first. Et puis, quand il arrive à la Maison Blanche, il nomme Mike Pompeo à la tête de la CIA. Alors moi, c'est une petite habitude, mais je dis toujours Michael Pompeo, parce que comme c'est pas un proche, je l'appelle pas par son petit nom. Mais bon, dans les médias, apparemment, on préfère l'appeler Mike Pompeo. Lui est fou de rage contre Assange, donc Mike Pompeo. Surtout depuis la divulgation par Wikileaks au printemps 2017 de Vault 7, un arsenal d'outils de hacking utilisé par la CIA. Pour Pompeo, la messe est dite. Wikileaks est, citation, un organisme de renseignement ennemi. Il faut écraser Assange. Le 21 décembre 2017, un mandat d'arrêt est émis à son encontre, selon des documents obtenus par les documentaristes Étienne Huver et Marina Ladoux, qui ont réalisé plusieurs films sur Assange. Qui est très intéressant de voir sur Arte, ça, c'est vraiment intéressant. Le décompte pour l'extradition a commencé. Assange est l'obsession de Mike Pompeo, la cible numéro 1 de la CIA. Selon une enquête de Yahoo News, Pompeo et la CIA avaient envisagé d'enlever le fondateur de Wikileaks, alors que des rumeurs couraient sur sa fuite de l'ambassade équatorienne direction Moscou. Encore Moscou. Un ancien des services explique même que lors d'un briefing, Trump s'est demandé s'il serait possible pour la CIA de faire assassiner Assange. Impossible de savoir si c'était sérieux ou si c'était Trump faisant du Trump, dit cet ancien officiel cité par Yahoo News. Alors là, je m'arrête un instant parce que c'est appréciable que cet élément soit mentionné. Ça a été peu le cas. Donc le projet de kidnapping ou d'assassinat d'Assange quand il était dans l'ambassade d'Équateur. D'autres médias français en ont parlé, mais c'est passé assez rapidement. Bon, il y a l'Humanité qui fait un travail très rigoureux de suivi de l'affaire qui l'a dit et l'a répété. Donc bon, c'est appréciable que l'Obs en parle, il me semble qu'il faut le noter, sauf que c'est présenté ici comme si c'était Trump qui a vu comme ça l'idée, tiens, et si on faisait assassiner Assange? Sauf que ce n'est pas ce que dit l'article de Yahoo News. Il y a des hauts responsables de la CIA qui ont demandé à ce qu'on travaille à des plans pour assassiner Assange, voilà, d'y réfléchir, de concevoir des plans pour le kidnapper ou l'assassiner. Donc là, tout retombe sur la tête de Trump, qui certes doit être condamné parce qu'il a amplifié la persécution d'Assange et c'est lui qui a nommé Michael Pompeo, etc. Mais ça ne repose pas que sur lui. Là, on exonère presque la CIA, c'est juste Trump voilà, qui délire et qui tient si on assassinait un journaliste dans une ambassade à l'étranger, l'ambassade du Royaume-Uni, une ambassade équatorienne au Royaume-Uni. Je suis navré, mais ce n'est pas ce que dit l'article. C'est la CIA est mise en cause et c'est pas seulement Trump. Je m'arrête un instant. Il y a une photo là qui illustre l'article avec la légende lanceur d'alerte à l'honneur lors du festival de street art de Balashika en Russie. Voilà, donc il y a une fresque avec le portrait d'Assange. Bon, c'est une façon peu subtil encore de renvoyer Assange vers la Russie. Bon, je ne dis pas que Duane Bui a choisi cette photo, hein, c'est pas forcément de son fait, sauf que voilà, c'est encore un élément qui connote l'image d'Assange pour le renvoyer vers Moscou. La situation d'Assange dans l'ambassade d'Équateur devient de plus en plus inconfortable, avec l'arrivée au pouvoir à Quito, début 2018, de Lénine Moreno. Pour le nouveau président, Assange est un « tracas », entre guillemets, dont il faut se débarrasser au plus vite.
l'hôte indésirable se transforme en prisonnier. Entouré désormais d'un personnel qui lui est hostile, son ami Fidel Narvaez, un des proches de l'ancien président Rafael Correa, a été viré. On lui coupe l'accès à Internet, on filtre ses visites. Assange est espionné en permanence par la société de surveillance espagnole UC Global, qui travaille aussi en sous-main pour la CIA. Il se cache dans les toilettes pour femmes quand il est au téléphone, utilise un brouilleur pour que ses conversations ne soient pas audibles. Là, je note aussi que c'est appréciable de parler de l'espionnage d'Assange dans l'ambassade d'Équateur par UC Global au profit de la CIA. C'est un élément peu connu, donc qu'un grand hebdomadaire comme l'Obs en rende compte, c'est franchement à noter. Sur ce qui s'est passé avec Lénine Moreno, là j'en profite pour renvoyer les internautes vers le livre édité par les Mutins de Pangée. Il y a un article de Matt Kennard qui parle justement des tractations entre les autorités équatoriennes, donc sous Lénine Moreno, et le Royaume-Uni pour en fait livrer Assange à la police londonienne. Donc c'est extrêmement instructif. Et ça, par contre, il n'en est pas question dans les médias dominants. Ce sont des Matt Kennard travaille pour le site Declassified UK, et il me semble que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé entre l'Équateur et le Royaume-Uni, et le degré en fait de préparation du plan pour livrer Assange au Royaume-Uni, toutes les tractations qui ont eu lieu en amont. Le journal espagnol El País révèle l'ampleur de cette surveillance clandestine et les images récupérées des vidéos de surveillance sont irréelles. Une dystopie façon Love Story. On y voit Assange faire du skateboard en short dans une pièce de l'ambassade. Bon, dans Love Story, ils n'étaient pas espionnés par la CIA quand même. C'était une émission de télé-réalité. C'était pas la CIA qui cherchait à obtenir des éléments exploitables pour nuire à un journaliste. Cette comparaison me paraît un peu étrange. Bon, bref. Ou traînant un matelas avec Stella Maurice pour s'installer dans un angle mort des caméras et tenter de voler un instant d'intimité. La présence d'un bébé ayant été signalée lors d'une visite à l'ambassade de son avocate et compagne, UC Global récupère les couches dans les poubelles pour effectuer des tests ADN et vérifier qu'il s'agit bien de l'enfant du couple. Alors à ma connaissance, non, c'est un employé de UC Global qui avait un cas de conscience et qui est allé voir Stella, Maurice à l'époque, pas encore Stella Assange, pour lui dire qu'il avait reçu l'instruction, enfin que les employés de UC Global avaient reçu l'instruction de récupérer une couche souillée de l'enfant pour savoir, enfin procéder à un test ADN pour savoir si c'était l'enfant d'Assange. Je ne sais pas s'ils sont passés à l'exécution. C'est pas ce que j'ai lu pour ma part. À l'été 2022, les avocates américaines d'Assange ont porté plainte contre la CIA pour surveillance illégale. Les avocates et des journalistes américains aussi, puisque selon la Constitution américaine, la CIA a l'interdiction d'espionner des citoyens états-uniens, y compris à l'étranger. Et donc, là, avec UC Global et sous-traitant de la CIA, des conversations d'avocats et de journalistes états-uniens avec Assange ont été espionnées. C'est pour ça qu'il y a une procédure contre la CIA, contre Michael Pompeo et contre UC Global. Ça sera à suivre, ça va être intéressant, je pense. L'homme le plus dangereux du monde. Il y avait quelque chose de kafkaïen à suivre le procès d'Assange pour extradition en février 2020. Douane Buy a écrit un article sur le début des audiences d'extradition en 2020. Elle a fait un article notamment sur le soutien des gilets jaunes à la cause d'Assange. Un article qui folklorise un peu tout ça, mais elle était bien sur place. C'est là qu'elle a recueilli des propos de Rafael Narvaez et mal répercuté par la suite. Enfermé dans un local en verre, l'homme peinait à entendre les débats et les questions de la juge. Mais l'audience continuait son cours.
Tous les matins, on l'extrayait de sa cellule pour lui faire emprunter un long couloir souterrain reliant directement la prison au tribunal. Sans qu'il puisse même humer l'air extérieur, à l'isolement, le prisonnier n'a droit qu'à 45 minutes de promenade par jour, dans la cour bétonnée de la prison. Toujours seul. Cela fait plus de 10 ans qu'Assange n'a pas vu un brin d'herbe. Il a confié au philosophe Sreko Horvat, son ami, que pour tenir, il imagine enfermé dans l'espace étriqué de sa cellule qu'il fait le tour de l'Europe à pied. Et chaque soir, il compte les kilomètres qu'il a parcourus dans sa tête. Voilà, fin de l'article. Donc, il y a du pour et du contre. Cet article donne à lire des éléments qui sont peu traités dans les médias dominants sur l'affaire Assange, mais le fait souvent de façon soit lacunaire ou avec une interprétation qui a tendance à atténuer un peu la gravité de la persécution et notamment des actes des États-Unis et de son service de renseignement, la CIA. Je déplore le fait que Anne Crignon, une journaliste de l'Obs, qui a écrit trois articles sur l'affaire Assange de qualité, elle en a écrit trois, alors uniquement pour le site internet, ça n'a pas été reproduit dans la version papier de l'Obs. Et donc au bout de trois articles, eh bien, elle s'est retrouvée dessaisie en fait du sujet. La hiérarchie a estimé qu'elle ne devait plus écrire sur Assange, et donc le sujet a été confié à d'autres personnes. Et ici, donc à Doan Lui, on a l'impression en fait que depuis donc la publication des articles d'Anne Crignon, qui s'est beaucoup documentée, elle a lu le livre de Denis Schmelzer, elle a lu l'article, le livre édité par les Mutins de Pangée, elle a lu énormément d'articles, elle a fait un travail rigoureux. Voilà, je vous encourage à aller lire ces articles sur le site de l'Obs. Alors je crois qu'ils sont en accès restreint, malheureusement. Et donc voilà, elle a été dessaisie du dossier, et avec l'article de Doan Lui, on a l'impression que l'Obs essaie d'expier les articles d'Anne Crignon pour donner une vision quand même plus défavorable d'Assange et de Wikileaks. Alors je vous le dis, il y a du pour et du contre, mais voilà, ça reprend plusieurs éléments de la campagne de dénigrement, il y a plusieurs éléments de fausses informations, de calomnies. En fait, c'est le retour à la normale. Anne Crignon, c'était l'exception, c'était un moment d'anomalie pour l'Obs, et il y a eu une rapide reprise en main, et maintenant, avec Doan Lui, on retrouve davantage la norme du traitement médiatique d'Assange dans les grands médias français. Je voudrais en terminer en disant que on va poursuivre ce type d'exercice d'écoute critique ou de lecture critique. On a notamment l'article de Franc-Tireur dans leur série sur les lanceurs d'alerte consacré à Assange à lire. À mon avis, ça va être intéressant à faire. Et puis, on va s'intéresser aussi à Charlie Hebdo avec les écrits odieux de Robert McLean Wilson consacré à Assange. On lira notamment le portrait qu'il a consacré à Assange dans les colonnes de Charlie Hebdo. Voilà, à très bientôt. Merci.